Εδώ έχει φύγει γρήγορα κόσμο. Εδώ, σε αυτό το βράχιο που βλέπουμε, πόσα έχει χτυπήσει απάνω, έχει πέσει ο κόσμο μέσα. Άλλοι βγαίνουν, άλλοι πνίγονται. Είναι το χειρότερο σημείο αυτό εδώ. Είναι το πιο κοντινό και το πιο δύσβατο. Chaque fois que j'entendais à la radio l'information sur un naufrage, on entend toujours trois chiffres. On entend le nombre de morts, le nombre de survivants et puis le nombre de disparus. Et puis on n'en entend plus jamais parler alors que peut-être on a retrouvé des disparus. Qu'est-ce qui s'est passé autour justement de ces gens-là? Et donc j'étais... ça me turlipinait, on va dire comme ça. Et puis j'ai rencontré, par le hasard de la vie, une jeune femme grecque qui travaillait à Lesbos avec les réfugiés et elle me racontait que le plus difficile pour elle qui travaille avec des réfugiés, c'est quand il y a un naufrage parce que l'île est confrontée à des choses auxquelles elle n'est jamais confrontée. Il y a des corps non identifiés. Comment doivent-ils les enterrer? Est-ce que ce sont quels rites funéraires, à quelle religion ces gens appartenaient-ils? Il y a 20 corps, il y a une morgue qui fait pour trois personnes sur cette île. Enfin, qui va s'occuper d'eux en fait, puisqu'il y a personne qui vient les chercher? On ne peut pas contacter les familles, ils n'ont pas de pièce d'identité, etc. Ça m'a intéressée, je me suis mise à rechercher en fait sur ça. Et j'ai commencé par rencontrer des gens qui aident les migrants ou qui aident les corps qui sont non identifiés. Donc des gens qui s'investissent pour ça alors qu'il n'y a personne sinon, enfin comment dire, l'Union européenne n'a pas vraiment prévu ça. Pour rencontrer une famille, c'était évidemment plus délicat. Parce qu'il y a eu alors un naufrage, par exemple, en octobre 2015. Mais là, c'était vraiment la catastrophe. L'île était déjà remplie de réfugiés. Et le naufrage a été catastrophique et tout le monde était hyper occupé. Donc, il n'y avait personne pour me parler. C'était normal. Et donc, finalement, je suis passée par la Croix-Rouge internationale, donc c'est le travail de s'occuper des disparus, d'essayer de rechercher les disparus, pour savoir s'ils pouvaient m'aider à trouver des familles qui avaient eu ce genre de situation, donc qui avaient survécu à un naufrage ou qui avaient perdu quelqu'un dans un naufrage. Et eux, ils m'ont trouvé deux familles. Mais j'ai dû attendre un peu avant de les rencontrer parce qu'ils m'ont dit « bon, je vais être sûre que le film se fasse parce que c'est des gens très fragiles ». Pour l'instant, il faut attendre un peu. Donc ça, c'était plus difficile, mais c'était plus une question de... C'était délicat parce que l'état psychologique des personnes que j'allais rencontrer était fragile. Et puis, il y a eu cette famille. Et cette famille, comme justement la partie de la famille qui avait survécu et qui était restée en Turquie, a tout d'un coup eu l'autorisation de venir rejoindre celui qui les attendait en Autriche, quand, à partir du moment où j'ai commencé à filmer ça et où le drame pour cette famille s'est rejoué parce qu'ils se revoyaient pour la première fois, du coup, en fait, j'ai pu suivre vraiment quelque chose d'assez exceptionnel, si je peux dire. Et du coup, j'ai su très vite que j'allais rester avec cette famille-là. J'ai ressenti qu'il y avait un besoin que les gens comprennent ce qu'ils vivaient. Ce drame, et vraiment, ils espéraient encore aussi peut-être pouvoir remonter le bateau dans lequel étaient enfermés les corps de leur famille. Et donc peut-être qu'ils se disaient aussi qu'en faisant le film, ils pourraient, ça faisait peut-être bouger quelque chose. Je pense que ça les a animés quand même, même si une fois qu'ils m'ont donné l'autorisation, ils étaient totalement authentiques dans leur façon d'être, quoi. Ça m'a quand même beaucoup affectée de faire ce film. Et bon, ça m'a pris du temps de repartir vers quelque chose d'autre, en fait. C'est ça, surtout. C'est de ne pas tout de suite avoir une idée ou d'être tout de suite dans quelque chose d'autre, en fait. Ça reste quand même avec vous, parce que quelque part, peut-être parce que je sais que eux, ils vont rester aussi quand même longtemps avec ça. Et donc,
c'est pas si facile que ça de pouf changer et de passer à autre chose. Mais bon, je suis restée en contact longtemps. Là maintenant, ça faisait quand même un an que j'avais plus été en contact depuis le début de la Covid là. Mais je les ai rappelés justement à l'occasion de la sortie ici du film à Flagey, et pour avoir un peu des nouvelles. Et justement là, j'ai appris que Farzad, donc le personnage qui était à Vienne, a un travail, et ça m'a fait vraiment énormément de plaisir, parce que franchement, il est resté très longtemps sans travail, donc ça veut dire que c'était difficile pour lui, quoi. Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.